pour donc aujourd'hui un nouveau petit tutoriel avec des petites tulipes. Donc nous allons commencer. Alors comme j'utilise le dernier Photo Filtre Studio, tous les éléments viendront directement ici. Alors vous ferez Fichier, Nouveau, vous prendrez une largeur de 800, une hauteur de 600 et vous mettez en couleur blanc. Et vous faites OK. Vous irez chercher donc les couleurs, donc avec la petite capture. Vous prendrez la pipette, vous sélectionnerez la première couleur, vous ferez un double clic dessus et vous l'enregistrerez dans les couleurs personnalisées. Donc je clique 4 fois pour la mettre en deuxième position. Et je fais OK, je change de position, je prends la pipette, je prends la deuxième couleur, je fais pareil, là j'enregistre 2 fois pour qu'ils soient en première position et je fais OK. Donc maintenant je ferme ça. Je remets la couleur foncée au début et la couleur claire ici. Donc, vous ferez filtre 8BF Medi Wavy Lab 1.1. Vous mettez en style linéaire. Fréquence, vous mettrez à 2. Alors ici, vous avez les couleurs qui se mettent automatiquement. Et vous faites OK. Vous ferez filtre 8BF illimited 2. Vous irez chercher le dans gratient. Ici vous avez des couleurs, donc vous cliquez dessus et vous irez chercher la numéro. Donc vous descendez et vous prendrez la numéro 42. Vous ferez Select. Ici vous changerez les fonctions, donc vous allez vous mettre à 138. Donc avec votre souris vous allez jusqu'à 138 et dans gratient en dessous vous mettrez 130. Voilà, vous faites appli. Donc voilà votre fond qui se crée. Maintenant, vous allez chercher le photomasque. Alors pour cela, vous ferez filtre, photomasque. Ici, donc, j'ai le masque. Je fais un aperçu direct pour voir le résultat. Vous mettrez une opacité à 80 en mode couleur et couleur blanc. Et vous ferez OK. Vous ferez filtre, 8BF, illimited 2. Vous irez chercher paper texture fibros paper fine et vous laissez les coordonnées ici et vous faites appli. Vous ferez calque, nouveau, vierge. Donc là vous mettez une couleur de 800, une hauteur de 600, la couleur, donc vous choisirez la couleur marron, que celle-là. Et vous ferez OK. Vous ferez filtre 8BF. Alors j'utilise beaucoup les filtres là pour faire ce fond. Donc Medi Wavy Lab. Vous êtes resté toujours en linéaire. Et en fréquence, vous, vous mettrez à 3. Donc à 3. Et vous faites OK. Nous allons rechercher encore un filtre. 8BF, donc toujours ici dans Limited 2, vous retournez sur gratient, vous reprenez des petites couleurs ici et vous allez chercher la couleur 47. Donc je descends jusqu'à 47 et je fais Select. Dans là, vous descendrez à 121. Donc 121. Faut pas être pressé, hein. 121 et vous laissez à 2 et vous faites appli. Donc maintenant nous allons utiliser un petit mode. Donc ici sur le côté, le mode, vous allez faire incrustation. Donc vous voyez le fond qui s'est créé. Nous allons maintenant placer les éléments.
Donc vous allez prendre la fleur, vous faites glisser donc dans votre espace de travail et vous essayez de la placer à peu près à ce niveau. Donc je vais finir avec les touches de mon clavier. Donc je vais mettre à moins 16 et à 124 de position. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon personnage. Donc je prends le personnage, je le fais glisser dans mon espace. Je mets le personnage donc pour l'instant avec la souris. Et je finis de le placer avec les touches de mon clavier. Donc je le mets à 7 et à 17 de hauteur. Voilà. Vous ferez un double clic sur votre calque. Donc soit comme ça. Ou vous ferez un clic droit, option. Et vous arrivez donc dans les options. Vous ferez une ombre portée. Vous mettrez en delta 2, delta x 2, excusez-moi. Donc me revoilà. Alors j'étais en train de vous dire, alors vous mettez en delta x, en delta y 7, et en couleur, donc vous cliquez sur la couleur, et vous prenez donc la couleur marron foncé là, et vous faites OK. Vous ferez OK. Nous allons maintenant positionner le tube de tulipe. Donc vous faites glisser sur votre espace de travail. Vous essayez de le placer pour l'instant avec la souris à peu près ici. Et après je termine avec les touches de mon clavier pour le positionner. Alors à 286 et 45. Vous ferez un clic droit option, donc vous ouvrez la fenêtre d'option. Vous ferez une ombre portée et en delta x, vous mettrez 9 et en delta y, vous descendrez à 3. Parce que comme vous avez ici, vous voyez le cadre, faut pas que ça redescende trop bas, autrement ça va pas faire beau. Et on fait OK. Ouvrez calque, fusionnez tous les calques. Il vous reste plus qu'à mettre la signature. Donc moi j'ai ma signature. Je fais OK. Je positionne ma signature à l'endroit désiré. Donc je le mets à peu près ici. Donc oh, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Alors attendez, je vais enlever la signature. Je vais faire supprimer. Je vais faire un petit 0 porcelaine. Donc 0 porcelaine. Et vous mettez à 15. Vous descendez à 15. Vous faites OK. Et là maintenant, je mets ma signature. Bon, ça arrive d'oublier les trucs. Donc je mets à 15. Je déplace. Donc ma signature ici. Je choisis un petit mode pour. Donc vous voyez, on peut choisir ce que vous voulez comme mode. Vous voyez, si je mets produit, on voit plus ma signature. Si je mets incrustation non plus. Donc je mets en superposition. Il ne me reste plus qu'à faire calque, fusionner tous les calques. Et vous pouvez enregistrer votre travail en JPEG. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.